bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier vlogmas. Donc je suis à Amsterdam pour 15 jours et j'ai décidé de vous vlogger chaque journée. Au programme aujourd'hui, deux petits musées. Donc le premier, le musée Van Gogh ou le musée d'histoire, je sais pas dans quelle sens on va les faire, mais voilà, ces deux musées là, et on va se balader pour découvrir aussi la ville d'Amsterdam. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Et j'ai oublié de vous dire, on est dans une banlieue d'Amsterdam, donc en fait on va marcher pendant 1h20 environ pour regagner le centre-ville donc d'Amsterdam. Génial, il fait à peine froid, tout est parfait. Nous sommes au musée d'histoire d'Amsterdam. La sœur est en amour. Je vais présenter un petit endroit qui est une bibliothèque de ouf. On a fini le premier musée et là on cherche un petit restaurant parce que ma foi il est 14h et on commence à avoir faim. Franchement ce petit musée d'histoire d'Amsterdam était une top du top. Ouais, il est vraiment grand, il y a plein de trucs à voir, plein de thématiques, donc c'est assez intéressant, je vous conseille de le faire. Une chose, c'est qu'avec Astrid, donc on était parti filmer ma petite tenue de lookbook et on est perdu, on a perdu nos parents. Et la nuit commence à tomber parce que oui, la nuit tombe ici à 16h30 max. Nous avons le Rainbow Bridge juste ici. J'ai senti ce parfum les amis, je vais me l'acheter demain parce qu'il sent trop bon, c'est une autre parfum, ça vaut que 11€. Oh, journée terminée, on est sur le trajet du retour, encore 1h20 de marche à pied pour gagner l'hôtel. J'ai extrêmement mal aux pieds. Au final on n'a fait qu'un seul musée, le musée d'histoire d'Amsterdam, on n'a pas fait le musée Van Gogh, on le fera demain peut-être. On se prend pas trop à la tête, on fait ce qu'on a envie de faire. Et là on avait envie de se balader, voir un peu les canaux et faire un petit peu les magasins, enfin faire du repérage. On va regagner notre petit hôtel et on va le squatter toute la soirée.